Eh bien, salut à tous les ninjas, Luc et Alexandre, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on s'est motivé, on est chaud et on est paré pour pas un Dofusocre, mais pour se lancer à l'assaut de deux Ouais, salut les ninjas, ouais, on est parti avec le Zobal et la Fée4 pour lancer deux quêtes du Dofusog, donc deux éternelles moissons. Donc il y aura des petites, une petite série là-dessus. Bon, pour l'instant, ça va être les tout petits monstres, hein, donc En on plus, va ça pas va tenir faire. Luc du coin, donc on va pas s'emmerder à vous montrer ça. Vous n'en avez rien à faire, de toute façon. Ouais, voilà, on va pas faire Ah. une vidéo pour ça. Mais après, quand ce sera les boss de donjon. Ça, on pourra faire des vidéos là-dessus quand ce sera des boss vraiment bien, et on pourra faire une petite vidéo, puis en même temps présenter le boss, en faire un petit tuto s'il y a une petite technique, pourquoi pas en mode Zof, Guépasse. Et ensuite, les archimonstres, on vous fera suivre un peu notre avancée. On va essayer quand Ouais, même les archives. Parce que là, il ne faut pas noter qu'il faut un jeu d'archimonstres, mais il faut deux archimonstres de chaque, vu qu'on Ouais. fait la quête à deux. Donc voilà. C'était juste une petite vidéo annonce pour vous annoncer qu'on se lance dans cette petite quête et que ça va pas être de tout repos. Effectivement, effectivement, parce que deux fois chaque mob, deux fois chaque boss, deux fois chaque archi pour deux Dofusocre. Voilà, Ça va être donc long. dans la finalité, les deux Dofusocre. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, comme on dit, mais ça va le Comme l'a faire. dit, oui, comme l'a dit une personne que je connais bien, prenez le temps. Bon, sur ce, on va aller capturer les premiers monstres, les petits monstres à la con, les souris, les pioux, les trucs comme ça. Et puis on se retrouve pour la suite de ces séries lors des premiers boss, quand on devra capturer les premiers boss. Allez, ciao tout le monde!